En classe, plus le niveau sonore augmente et moins votre parole est intelligible. Le premier levier est d'agir sur le bruit de fond. Vos élèves aussi ressentent les gènes occasionnés par le bruit de fond et l'effet sourdine des masques. C'est l'occasion de passer un nouveau contrat sonore avec les élèves en les impliquant dès le début. L'idée, c'est d'engager ensemble une démarche active pour améliorer votre univers sonore en trois étapes. Écoutez, ça s'apprend. C'est difficile d'agir sur un phénomène qu'on ne connaît pas. Pour leur faire découvrir les caractéristiques physiques du son, il existe des dossiers pédagogiques avec des activités. Le bruit, c'est un son qui dérange. Avec un smartphone, on peut très facilement partir à la chasse au bruit aujourd'hui. Il suffit de télécharger une application sonomètre et de prendre des mesures sur plusieurs moments de classe. Voici quelques repères. L'intensité se mesure en décibels. Attention, ce n'est pas proportionnel. Un saxophone seul produit 60 décibels, deux saxophones ensemble produisent 63 décibels, et pas 120 décibels. Prenons une échelle de 0 à 140 décibels, 0 étant le silence absolu et 120 le niveau sonore d'un marteau piqueur. On peut les classer. Une voix chuchotée de 10 à 20. Une conversation normale de 40 à 60. Des travaux de groupe en classe de 65 à 90, en fonction du bruit de fond. Une cour de récréation, une cantine, de 85 à 95. Un concert sonorisé de 100 à 115. Avec le sonomètre, vos élèves ont pu repérer les différentes sources de bruit. Vous pouvez alors élaborer un plan d'action autour de deux axes, l'espace et les comportements. L'acoustique des salles de classe est souvent mauvaise. Il peut y avoir beaucoup de résonance. Le son est comme une balle magique, il va rebondir. Quelques astuces peu coûteuses à mettre en place avec les élèves pour limiter les bruits parasites. Récupérer des vieilles balles de tennis dans un club et les placer au pied des chaises. Posez des feutrines sur tout ce qui claque, les tableaux, les portes. Utilisez des sets de tables pour limiter les bruits de manipulation du matériel. Maintenant que votre groupe classe est sensibilisé au niveau sonore, chacun sera plus attentif au bruit et aux nuisances. Il y a des outils pour vous aider à contrôler ce niveau sonore au quotidien. On peut citer Classroom Screen, qui offre un tableau de bord où on peut intégrer des modules visuels, comme un sonomètre de classe en temps réel, des symboles sur les modalités de travail, un minuteur, des consignes écrites. Il y a aussi Bouncy Balls, efficace pour visualiser le niveau sonore de sa classe sur des moments clés. Si vos élèves peuvent mesurer les niveaux sonores, vous ne serez plus seul à réguler le bruit. À ce propos, si vous êtes adepte du ch en classe, il vaut mieux le bannir. Il est très irritant pour les cordes vocales. Pour les retours au calme, il y a d'autres moyens que la parole pour appeler tout le groupe. Ça peut être visuel, d'un geste demander à un élève d'éteindre les lumières, ou d'aller vers le groupe d'élèves bruyant en agitant les bras. Auditif, alerter avec des instruments adaptés. Visuel et auditif, par exemple par des rythmes avec les mains qui appellent une réponse. L'idéal, c'est de diversifier les modalités d'appel. Ça les rend plus efficaces. Surtout si vous les faites évoluer avec le temps. Les élèves apprécient ces changements. Et puisque les enfants ne peuvent pas être des élèves modèles toute la journée, accordez-leur des respirations quand vous sentez qu'ils ne sont plus disponibles pour travailler. Osez ces temps de défoulement. 20 secondes suffisent avant le retour en classe ou un changement d'activité. Plus classique mais toujours efficace, un temps d'écoute musicale leur permet de se ressourcer avant de repartir sur une activité. Après quelques jours ou semaines, faites le point avec eux sur ce qui a changé, ce qui peut être encore amélioré, ce qui peut être partagé avec d'autres classes. Chaque acteur de l'école peut agir à son niveau. Ça pourrait amener d'autres changements dans l'établissement. On est bien d'accord, vous ne pourrez pas tout mettre en place, ce sont juste quelques pistes. C'est à vous de choisir celle que vous allez pouvoir adapter à vos classes. Les bénéfices se ressentiront sur le climat de classe, la fatigue nerveuse, physique et vocale.